Salut les amis, je suis vraiment ravi de parler devant vous ce soir. J'ai un petit peu peur, pour être très franc, de faire ce talk. Je voulais pas le dire au début, mais je pense que c'est plus honnête de le faire, parce qu'on va aborder un sujet qui est extrêmement touchy, qui même moi, dans mes activités, peut me retomber un peu dessus. Je risque pas de dire de choses complètement folles, mais ça reste des risques qu'on prend. Et c'est le cas pour vous, en fait, aussi. À chaque fois que vous parlez, à chaque fois que vous prenez la parole, que ce soit avec vos amis, avec vos professeurs, en entreprise. Et ça, vous prenez un risque en donnant vos opinions. Et c'est justement ça qu'on devrait combattre, en fait. Ça ne devrait plus être un risque. Il y a évidemment des choses qui ne tiennent pas de l'opinion, et je veux balayer tout ça, mais tout ce qui tient de l'opinion, de l'avis, ça ne devrait pas être un risque. On devrait se sentir, justement, en totale confiance, se sentir écouté, se sentir contredit et aimer ça. Moi, j'ai 24 ans. Je suis plutôt jeune, en fait, j'ai pas l'impression parfois, mais je suis plutôt jeune. Et j'ai l'impression que ça part en couille, en fait. Non, mais vraiment, que depuis la crise de 2008, qui a été catastrophique, au final, on a appris à voter contre, on a appris à voter utile, et aujourd'hui, on vote juste plus du tout. Et c'est super dangereux, en fait. Et même moi, le premier, j'ai pas envie de voter. J'ai pas de candidat qui me plaît, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Et c'est un vrai, vrai problème. Parce que si on y regarde de plus près, au-delà des considérations parfois un peu trop faciles de « des gens se sont battus pour le droit de vote », ils sont aussi battus pour qu'on s'abstienne, c'est surtout que c'est important, en fait. On est en train d'élire les gens qui ont le pouvoir du public. Donc ça n'est pas toute la société, mais en France spécialement, c'est une partie extrêmement importante de cette société. Et donc j'aimerais qu'ensemble, on se dise comment à notre niveau individuel et puis collectivement, on peut réussir à créer une société de l'écoute, une société plus saine, une société où en fait on construit, plutôt que passer notre temps à essayer de se rassembler en petits groupes, en bulles, comme ça a été dit tout à l'heure, qui vont constamment s'auto-entretenir pour au final aller vers toujours plus de radicalité. Et ça, peu importe les bords politiques. Si vous croyez qu'il n'y a que le bord adverse qui est trop extrême, dites-vous que le bord adverse trop extrême vous considère, vous, comme trop extrême. Prenez conscience de ça. Essayez d'écouter votre empathie, et pas empathie dans le sens de vouloir aller dans le sens des idées d'une autre personne. Empathie vraiment dans la compréhension sincère, presque naïve. J'aimerais que d'abord on crée une culture dans ce pays de désaccord profond. Et pas une culture de désaccord seulement sur les plateaux télé, qui aujourd'hui, je pense qu'on va être d'accord, ne représente plus du tout la population. Bah déjà parce qu'ils habitent tous à Paris, parce que sinon ils ne seraient pas vraiment sur les plateaux télé en fait. Et aussi parce que voir des plus de 35-40 ans en costard-cravate, enfin, il suffit de se balader un petit peu en France pour voir que c'est pas ça quoi. Et donc du coup j'aimerais qu'on recrée cette culture de désaccord. Dans mon média on a fait un débat entre deux mondes totalement opposés. On en a fait plein, mais on en a fait un spécialement entre deux mondes totalement opposés. Entre Bruno, qui est policier, et qui est plutôt défenseur de la police, en expliquant que c'est elle qui est victime de tellement d'injustices. Et de l'autre, Shaïn, qui est un jeune de quartier, qui est devenu journaliste indépendant grâce à ses vidéos, qui ont fait le buzz des réseaux sociaux. Vous en avez probablement vu des dizaines sans même que savoir que ça venait de lui. Quand on a commencé le débat, quand on a commencé même avant le débat à introduire cette séquence, Shaïn était avec plusieurs amis, ce dont il ne nous avait pas prévenu. Donc ça nous a un peu inquiétés, parce que comme il ne nous a pas prévenu, on ne savait pas si jamais... Je ne connaissais pas Shaïn, on avait échangé au téléphone, il avait l'air très sympa, mais je ne savais pas si jamais ça portait un risque. Bruno était lui tout seul, et quand j'ai dit à Bruno, en ayant un peu d'avance dans le couloir, qu'il y avait... Shaïn venait avec trois personnes, il a touché son pistolet en me disant « Non, il n'y aura pas de problème. » Bruno, c'est quoi la définition de pas de problème? Parce que là, je ne suis pas certain de là où on va. Et donc, du coup, ça a commencé le débat. Ça a été extrêmement tendu. Et vous retrouverez ça sur YouTube. Vous verrez, moi, je suis tout blanc comme linge. Je suis en train de me dire... On a même demandé à plusieurs personnes de l'équipe de descendre alors qu'ils n'étaient pas nécessaires sur le plateau. Justement pour faire nombre, montrer que... Je ne sais pas ce qu'on aurait fait d'ailleurs, mais montrer qu'on peut faire acte de présence, quoi. Et puis, au détour de quelques blagues, certaines des miennes, certaines de Shaïn, certaines de Bruno, au détour d'une discussion de plus en plus apaisée et qui essayait vraiment d'aller dans le sens de l'autre,
ils se sont rendus compte qu'en fait, ils avaient des choses à se dire. Ils n'étaient pas d'accord, et ils ne le sont toujours pas aujourd'hui. Mais ils avaient des choses à se dire. Ils avaient besoin réellement de créer ce pont fondamental, détruit depuis trop longtemps, engrainé par les réseaux sociaux, récupéré par les politiques. Et évidemment les médias, qui s'en profitent pour faire des millions de vues sur les réseaux sociaux, à la télé. Et après nos débats, on fait toujours un débrief qui permet en fait de montrer au public, aux gens qui nous regardent, qu'en fait, ce n'est pas une mise en scène, mais que tout ça est aussi un acte délibéré de débat d'idées et que ça n'est pas une embrouille réelle, fondamentale, entre êtres humains. Ça permet de réhumaniser un peu nos idées. Parce que je vous le dis, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais à l'Assemblée nationale ou sur les plateaux télé, ils se hurlent dessus, mais ils sont très potes en coulisses, hein, pour beaucoup d'entre eux. Et dans ce débrief-là, on les a vus se marrer, on les a vus faire des concessions sur les positions des uns et des autres. Et on les a vus surtout se rendre compte qu'ils n'avaient pas envie de se détester. Ils n'avaient pas envie fondamentalement de s'opposer. Ils défendaient des intérêts différents. Et la politique, ça ne sera toujours que ça. Je ne veux pas que vous pensiez que je fais un discours naïf en disant qu'on va tous s'aimer et faire des chants et se tenir avec la main comme ça. Bien sûr que non. Évidemment que non. Mais on peut faire ça dans un cadre correct, un cadre civilisé, un cadre bienveillant, où au final, ces intérêts divergents seraient délibérés démocratiquement. On élirait les gens en fonction de leurs idées, en fonction des intérêts qu'on défend, mais en fonction des intérêts qu'on croit qu'eux représentent pour nous. Et on aurait, dans cette culture du désaccord, une réelle envie de voter parce qu'on voudrait battre nos adversaires, mais on ne voudrait pas tuer nos ennemis. Aujourd'hui, j'ai vraiment peur qu'on s'en rapproche. Mais ce n'est pas le seul problème. Le problème aussi, c'est que la société du privé, et merci les Américains pour ça, va tellement plus vite que la société du public. Et je suis entrepreneur, donc je peux vous le dire, j'ai une entreprise privée, profitable. Oh, ça va tellement plus vite que le privé. En une semaine, on peut réussir à avoir fait tellement de choses que dans le public, il aurait fallu 10 contre-pouvoirs. Et je ne dis pas qu'ils ne sont pas nécessaires, je ne les connais pas assez. Mais aujourd'hui, ce décalage est beaucoup trop gros. Ça veut dire fondamentalement, et rendez-vous compte, posez-vous même la question vous-même, que en fait, vos séries préférées, votre Instagram ou votre TikTok, vos applications comme Uber ou autres, sont en concurrence avec de la politique, avec des programmes, avec des articles de loi, avec des amendements. Mais c'est aucune chance de gagner. Enfin, je le dis, ils ont prévu les visiteurs sur TF1. Vous voyez bien l'histoire, en fait. C'est que les gens préfèrent regarder les visiteurs plutôt que le débrief d'une élection présidentielle. En tout cas, en termes d'audience, c'est le pari que TF1 a fait. Et ça, c'est parce que notre politique est ringarde. Et c'est pour ça que je vous ai dit que j'ai peur de faire ce talk. C'est que je le pense. Peut-être que ça va tirer des problèmes, mais je suis obligé de le dire. C'est la vérité. Et on le ressent tous ici. On a monté une application qui permet justement de vulgariser les programmes. On pensait que ça marcherait bien. On avait une idée que ce... Il y avait quelque chose qui se passait, que quand on avait la bêta sous les yeux, on tenait quelque chose qui nous parlait. Et ça n'a pas manqué. Quand ce talk sera publié, on sera à 3 millions de téléchargements en l'espace de 2 mois et demi. On a battu tous anti-Covid, qui est une application obligatoire sur les stores. Et pourquoi? Parce que vous lisez, vous, les 12 dépliants en papier des candidats? J'ai un média politique et société, peut-être que je ne devrais pas le dire, mais moi non plus, je ne les lis pas. On trouve les informations à différents endroits. Il y a quelques excellents médias de notre génération que je ne vais pas citer pour pas qu'il y ait de concurrence entre eux, mais vous les connaissez, qui font ce travail-là extrêmement bien. Mais aucun outil fondamentalement adapté à nos usages. Et c'est ça le sujet. Aujourd'hui, on ne peut pas être en concurrence dans nos temps de cerveau disponibles, parce que c'est la donnée la plus importante de notre époque. On ne peut pas être en concurrence avec des choses aussi bien foutues que du Game of Thrones, que du TikTok. Ça n'a pas de sens de croire ça. Ça serait naïf, en fait. Et donc, du coup, on peut croire que la politique devrait être à l'ancienne, qu'on ne rigole pas avec ça, que c'est des choses trop sérieuses, et constater l'abstention augmenter, jamais s'arrêter et atteindre des sommets vertigineux jusqu'à même qu'on va parler d'illégitimité démocratique. Où on peut embraser l'époque et se dire qu'il n'y a pas que des choses horribles dans cette époque, et que c'est à nous d'adapter ces choses très sérieuses, parce que évidemment elles le sont, mais adapter ces choses très sérieuses à nos usages et à nos réalités
qui se sont totalement fait bouleverser par tout ce qu'on vit. Mais si on avait résolu ça, tout ne serait pas fini. Il y a un autre sujet également. C'est le sujet des gens qui nous gouvernent. Je pense que les gilets jaunes étaient le bon exemple de ça. Et avec plus de 2 euros le litre d'essence, on n'est pas à l'abri que d'autres choses reprennent dans ce genre-là. Il y a autre chose. Il y a la contestation de nos élites politiques. Et ce n'est pas seulement le gouvernement, c'est plus global. C'est d'innombrables histoires qui nous ont fait douter, d'innombrables coups faits par les uns et les autres, mensonges, trahisons, malhonnêtetés, discours yeux dans les yeux, on s'en rappelle encore. Et ces choses-là, elles nous ont fait douter. Et elles nous ont fait assimiler un pattern dangereux, mais néanmoins ultra ancré en nous, qui est l'élitisme des politiques, qui en fait nous empêche et empêcherait quelqu'un du peuple, d'en bas, comme on disait tout à l'heure, qui aurait mis 6 générations à émerger, d'émerger réellement. Et donc ça questionne la légitimité. Comment la majorité de Français, qui sont justement ces gens-là, qui vont gagner le SMIC, un peu plus, comment ces gens-là peuvent se sentir, c'est le mot, représentés par des gens qui ont fait Sciences Po, l'ENA, les plus grandes écoles. Je ne dis pas que cette élite académique n'est pas extrêmement talentueuse et compétente. Mais là, on parle de représentativité. Pourquoi Jean Lassalle nous fait sourire à chaque fois qu'il prend la parole ? Pas parce qu'on sent que c'est la France, on sent que c'est une partie de la France. On sent qu'il va porter des revendications qui réellement concernent les Français. Et pourquoi on n'en a pas plus de gens comme ça ? Parce que peut-être que ces gens-là sont moins techniques, ils connaîtront moins le droit européen, ils connaîtront moins l'exact taux d'inflation de cette année-là. Ils seront moins à l'aise peut-être devant une caméra pour avoir le discours parfait et lisse. Mais on s'en fout en fait. On a envie de se sentir représenté. On a envie quand on regarde sa famille, quand on regarde ses proches, quand on regarde ses amis. On a envie d'avoir l'impression que ça pourrait être eux nos politiques en fait. Parce qu'ils sont comme nous. Et qu'il n'y a pas de raison que ça ne soit pas nous qui dirigeons dans notre démocratie, représentative en plus, ce qui se passe dans le pays. Et cette crise d'illégitimité est d'autant plus dangereuse que plus les choses avancent, plus elle paraît de plus en plus scindée dans un moule unique. Et que ça, ça risque de poser des problèmes aussi en termes de lutte des classes. Parce que c'est aussi ça le sujet. C'est que si jamais il n'y a jamais autre chose qu'une forme d'élitisme ou d'une forme de bourgeoisie qui atteint les sphères du sommet du pouvoir, il n'y aura jamais ces retours profonds de gens qui ont connu des situations qu'on doit connaître si on veut être capable de gouverner un pays de plus de 65 millions d'habitants. Et que la crise d'illégitimité serait terrible, parce qu'elle ne se réglerait que dans des protestations infinies, voire dans des choses encore plus violentes. Et c'est ça qu'on doit changer. La question, ça nous paraît distant, on se dit « Ok, d'accord, on fait quoi du coup ? Chuit, table rase et on change tout ?» Non, on ne peut pas. Ça ne marcherait pas comme ça. Et en plus, on prendrait le risque de reproduire exactement le même système, juste en ayant eu 1 an ou 2 ans où on a juste renversé la table. Non. Ce qu'il faut, c'est prendre le pouvoir chacun d'entre nous. Il y a déjà la question du privé. Aujourd'hui, le privé et les associations en sont le bon exemple, mais il y en a d'autres. Nous, avec notre entreprise et beaucoup d'autres, mènent des combats publics avec des entreprises privées car ils se sentent dépossédés de leurs moyens. C'est une vraie piste et personne ne peut l'occulter. Mais j'aimerais que ça revienne déjà centré sur le citoyen. C'est déjà une question de confiance, en fait. Parce que c'est cette confiance qui créera la prospérité dont on a besoin. Et cette question de confiance, c'est repartir aux fondamentaux d'une acceptation de la différence d'opinion. Et de comprendre que quelqu'un peut voter de Philippe Poutou à Éric Zemmour et être légitime dans son rôle de citoyen français. Et que l'erreur ne serait pas de ne pas le combattre. L'erreur serait de ne pas vouloir le comprendre. Parce que c'est à l'ombre de notre compréhension que les plus grands dangers politiques naîtront. Et que si vous souhaitez combattre ou l'un ou l'autre, c'est en comprenant pourquoi ces gens-là se sont trouvés à s'identifier à ces personnes et à vouloir défendre leurs idées que vous comprendrez réellement le pays dans lequel on vit et vous pourrez agir. Et plus globalement, dans votre quotidien, la politique, le sens premier du terme, c'est la vie de la cité. Tout n'est pas dépendant
de décisions de l'État. Tout n'est pas dépendant de décisions de députés ou de sénateurs. C'est aussi à nous. C'est à nous de prendre le contrôle de ce qu'on fait. Et ça va juste de la gestion du bistrot ou du restaurant ou du bar du coin qu'on menace de fermer ou qu'on met une pression sur le loyer, jusqu'aux décisions européennes, françaises, voire mondiales, comme sur des questions de guerre. On a le pouvoir individuellement et c'est là que ça m'intéresse le plus, collectivement. Les réseaux sociaux nous ont donné quand même une arme incroyable, c'est la capacité de nous réunir, de nous mobiliser. Utilisons-la pour la mobiliser sur les causes qui nous tiennent à cœur et faisons pression sur ces causes qui nous tiennent à cœur. Parce que là, ça sera beaucoup plus facile de faire plier les décisionnaires. Et même s'ils ne plient pas, ça montrera une puissance tellement forte que ça peut permettre de faire décider de manière citoyenne de désobéir à ce qu'une large partie du peuple refuse d'accepter. Et s'il vous plaît, ne tombez pas dans cette incompréhension, dans ce rejet de l'autre pour ses idées politiques. C'est tellement contre-productif, c'est tellement éloigné du plus beau que nous puissions faire. De cette ouverture ultra nécessaire, ça ne veut pas dire que vous défendrez les mêmes intérêts. Ça ne veut pas dire que ce sont vos amis. Ça veut juste dire que c'est en ayant cette bienveillance qu'on recrée le cadre démocratique dont on a tous besoin. Et chacun d'entre nous pouvons être le fossoyeur, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais à l'inverse, chacun d'entre nous, nous pouvons être cette graine qui va permettre à un arbre magnifique de se développer et de nous abriter et d'assainir notre démocratie. Merci de m'avoir écouté.